Wir schwärmen los, wir geben Gas. Hey, 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 Unterhaching, du bist unsere Leidenschaft. Rot, rot, blau, wir sind der Wahnsinn. Wir schwärmen los mit Sperrenkraft. Halleluja, wir sind da. Halleluja, das ist doch klar. Jeder weiß es ganz genau. Halleluja, wir sind rot, blau. Wir sind bekannt im ganzen Land. Hey, 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 wir sind die Champions. Wir spielen alle an die Wand. Halleluja, wir sind Gott. Halleluja, das ist doch Gott. Jeder weiß es ganz genau. Halleluja, wir sind rot-blau. Halleluja, wir sind Gott. Halleluja, das ist doch Gott. Jeder weiß es ganz genau. Halleluja, wir sind rot-blau. Halleluja, wir sind Gott. Halleluja, das ist doch Gott. Jeder weiß es ganz genau. Halleluja, wir sind rot-blau. Halleluja, wir sind rot-blau. Halleluja, wir sind rot-blau. Hacking! Mein Club ist mein Verein.
lässt mich ein Teil vom Ganzen sein. Wird's mal schwer, nimmst du's in Kauf. Vorstädter geben niemals auf. Unterhaching, mein Verein, rot und blau, das will ich sein. Unterhaching, du bist nie allein und wirst es niemals sein. Unterhaching, mein Verein, so wie du, so will ich sein. UHG, du bist einfach mehr als ein Verein. Der Sportpark ist unser Zuhause. Wir sind bereit, hauen alles raus. Gewinnen ist das große Ziel. Wir alle lieben dieses Spiel. Unterhaching, mein Verein, rot und blau, das will ich sein. Unterhaching, du bist nie allein und wirst es niemals sein. Unterhaching, mein Verein, so wie du, so will ich sein. UHG, Unterhaching, du bist einfach mehr als ein Verein. Bon, on est parti pour la carrière. Juste la musique est trop bien. Ouais, j'aime bien. Ah oui, ça vous est. Ça va falloir qu'on en parle. La petite actu que vous venez de voir. Attendez, est-ce que je peux la rechoper? Elle est longue. Ah oui, ça va pas. Eh ben, bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, vous allez pouvoir vous reposer. Il y a du... Oula, la caméra, allô? Ouais, c'est mieux, hein? Nous, on est parti, Unterhaching, avec, dès le début, ça. Maurice Krattenmacher, qui a été vendu, parce que Gunther m'a dit qu'il y avait un problème avec la mise à jour qu'il y a eu. Comme quoi, toutes les sauvegardes étaient corrompues, donc j'ai lancé le jeu... J'ai testé, le problème n'était que sur console, et j'ai reçu une offre, et du coup bah, j'ai traité pour voir si j'allais avoir le bug qui revenait au menu. Donc, Monsieur Krattenmacher, qui faisait pas partie des plans, a été vendu pour 920 000 euros. On est bien, on récupérera sûrement 700 000, un truc dans le genre. Je suppose, un truc hein, comme d'hab. On est à... Ça a été compté ou ça n'a pas été compté pour le moment? Attendez. Ah si, ça a été mis dans le budget. Ouais, ça doit être ça, hein. Donc on a 700 000 balles. Pas ouf, hein. Pas ouf du tout. Ah, j'allais dire, il était pas assez vite, lui, avant. Ok. Oh, on a encore un blessé. Bon. On est 14e. On va regarder les classements, on va faire un petit point classement. On rappelle, c'est les 3 derniers qui descendent. 17. Ah bon, on a 10 points d'avance. 10 puntos de la zone rouge, c'est bien.
C'est bien. Très très bien même. 27, et après c'est serré, hein, 27, on peut aller top 10. On vise le maintien, hein. Ça c'est la base, c'est le truc qu'on voulait dès le début. On a 10 points d'avance, bon écoutez, c'est plutôt cool. On va essayer de voir ce qu'on fait. Oh, Arras. C'est quasiment tout le temps pareil. On part comme ça direct. Let's go. Alors, on va faire gestion d'équipe. Biancadi qui est blessé, c'est dommage. Biancadi blessé. Est-ce que Meyer peut prendre sa place ou pas? Oh, il peut prendre sa place. Du coup, Biancadi, je mets Jung à la place. Je vais prendre. Got meilleur. On va faire ça comme ça. Problème meilleur, fatigué. C'est la merde. Yo la perle, comment ça va? Meilleur, on va le sortir en vrai. Hein. Non, je peux pas le prendre avec moi. Il peut pas faire un match avec si peu d'énergie. Oh, je l'avais pas vu lui aussi. Oh là là, attendez, on est dans la sauce un peu. Bah tranquillou, écoute, tranquillement, on est en vacances, enfin un week-end, et vacances du coup à partir de lundi, pendant une semaine, donc on va charbonner le stream, on va faire du FC, on va faire du The Front, on va faire du Apex, on va faire plein de choses, ça va bien se passer. Putain, mais mes joueurs, ils sont tous fatigués, c'est un enfer. Je sais pas comment je vais me démerder là. On va pas se mentir. Le match risque d'être compliqué. Hein. Waouh. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Ambiance chaude et festive pour ce grand rendez-vous qui arrive. On se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi de cette année. Demain on fera de la survie, je pense. Demain on commencera par ce front. Oh, ouais. Je pense que ça peut être cool. Donc on a fait la petite découverte, maintenant on sait à peu près le truc. Demain on commence la vraie partie. Parce que j'ai un peu joué en off quand même, sur le front, pour voir 2-3 mécaniques, machin et tout. Le football, c'est la meilleure excuse que l'on a trouvé pour se rassembler. C'est une récréation existentielle. Voilà. On avance XC24. Parce qu'il y a une autre carrière qui va arriver après. Et le ballon change de camp. Allez, voilà la compo officielle pour cette équipe. Et on va découvrir le 11 de départ. Ça passe? Oui. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Non. Ah non, finalement le ballon est perdu. Pareil, du soviet, j'ai envie d'en refaire aussi en live du soviet là. Le jeu qui me matrixe le cerveau. Merde. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Et le concentre là peut-être. Pas de faute. Et le ballon part bien. Et les buts. Déjà 1-0, ça part. Aïe aïe aïe. Attention, le match va être compliqué. Hein. L'adversaire on a nos titulaires qui sont extrêmement fatigués. Ça va être très très dur. Ah, je vais faire un truc, attendez. Hop. Ah et c'est pas grave. Voilà, on va essayer d'arracher le match nul en vrai. Premier but de cette rencontre. Objectif, le match nul. C'est extrêmement serré tout en haut du classement. On a au moins 3 équipes en 6 points avec déjà 3 quarts du championnat qui a été joué. Et oui, il n'a pas la place à déglisser la carte de visite entre les meilleurs. C'est vraiment très très serré. Mais pour nous évidemment c'est l'idéal. Ça promet beaucoup d'émotions. Dans le mouchoir de poche là, je t'ai vu. Et ballon dans la profondeur.
Et hors jeu signalé sur cette passe. Le jeu, il était là. Ça doit se jouer à quelques centimètres. Ah oui, ça s'est joué à un orteil et demi. Oui, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Passera pas. Ah, le centre s'arrête sur le premier rideau défensif adverse. Ah, bien défendu, sans faute. C'était risqué ce que je viens de faire. C'était risqué de fou. Non, mais là, après, on est bloqué, les gars. Là. C'est propre. Oh non, c'est pas là. J'ai mis misclic. J'ai mal orienté mon joystick. Mais l'arbitre laisse jouer. Oula, c'est le deuxième ça. La défense là. Quelques secondes pour temporiser. Heureusement que tu lui as pas mis en première intention. Hein. Ouais, il s'est donné en retrait. Attention à cette occasion. C'est contré. J'ai une chance là. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Il y a du soutien là pour attaquer. Ballon perdu. On perd trop vite la balle. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Il faut s'entrer là-dessus. C'est un peu téléphoné ça. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Attention, faut laisser armer. Ah voilà, je peux le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Allez, vas-y. Si t'arrives à mettre un petit coup de rein. Dommage. Bien joué. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Oh, je t'ai vu. L'ouverture. Vas-y, t'es passé. Vas-y, petit. Non. C'était le but de l'égalisation. Et c'est raté. C'est assez incompréhensible. Comment je rate. L'appel, il était super haut. Hein. Comment je rate ça devant le gardien. Et oui, elle est bonne cette passe. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Tout seul comme un grand là. Dommage. Oh non. Il y a du monde là, quelques possibilités. Ah, le ballon est parfaitement conservé. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Ah, bonne défense ça. C'est pas lui. C'était pas là que je l'ai joué. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Et pourquoi pas ici. Sinon vous le regardez, non. Sur ce match là, on savait avant le début qu'on a dit qu'on jouait le match nul, ça va être compliqué. Ça par contre c'est bien, hein. Dans le jeu là cette année ils ont vraiment mis l'accent un peu sur la fatigue des joueurs. Oh merde, je l'ai raté. Et ce ballon est finalement intercepté. Du coup il faut vraiment bien faire tourner son effectif, sinon tu te retrouves des fois dans des matchs où tu es obligé de faire un peu l'impasse. On va en rester là, c'est la fin de la première période.
Sachant que de base déjà on n'a pas un effectif très fourni. Là, c'est compliqué. Et pareil, là, gérer leur tranchant et tout ça, là, tous les deux secondes. Il arrivait quand même, Pélican, lui. T'en appelles, toi, par là-bas ? Schwabel ? Non ? Tu vas pas ? Tant pis. Ah, mais c'est un peu tard, là, Schwabel. Bonne ouais. Intervention, la passe est interceptée. C'est trop tard, et en plus, c'était téléphoné, je lui donne quand même. Il y a un contre possible à jouer, là. Très bonne intervention pour écarter le danger. Et oui, c'est un coup franc après cette faute. Oh, vraiment ? Et pourquoi pas ? Oui, le ballon vers le point de pénalty. C'est confirmé, c'est donc Arsenal qui met la main sur ce nouvel élément. Tout le monde était un peu suspendu à cette décision. Et pour cette équipe, c'est un renfort de poids qui devrait beaucoup les aider. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais là ? Eh ben, nous dans le couloir avec un peu d'espace. Ah, j'ai cru qu'il allait s'arrêter. Le bon mouvement. Danger pour la défense avec ce centre dans la surface. Et aucun doute pour l'arbitre, c'est pénalty. Oh, c'est une catastrophe ce match, une catastrophe. Il n'y a rien qui va. Tout le monde est fatigué. Oh là. Heureusement que c'est le premier match. Hein. Pour le 3-0. Pas bien joué. Penalty transformé, c'est très bien frappé. 3-0, c'est le score suite à ce but. Là, on va essayer de préserver notre endurance, le peu qui nous reste. Parce que celui-là, de toute façon, là, clairement, il est perdu. Donc, préservons-nous pour le prochain match. On a 10 points d'avance hein, sur le premier relégable. C'est bueno, de hein, toute façon, on a dit hein, cette saison, c'est priorité. Dommage. Priorité au maintien. Et là, clairement, on peut se permettre de faire l'impasse sur ce match. C'est une récupération du ballon sur cette action. J'arrive même pas à me retourner avec la balle au pied. Bien joué. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Super progression dans la moitié adverse. Bien très joué, bon ça. Geste défensif, c'était risqué. Je compte favorable pour une fois. Je dis pas non. Oui. Ah, occasion manquée, dommage. Oui, il fait une espèce de frappe de pichenette là. Oh, il a. Non, en fait, il s'est craqué. Il s'est craqué sans son tir. Ni plus ni moins. On va lui donner. Oui, c'est bien fait. Il est passé. Il s'est pas avoué vaincu. Il a repris finalement ce ballon. Oui, prends-la. Oh, bien joué ça. Oui, oh, bien joué ça. Rien de très difficile sur cet arrêt. Allez, allez, pour une fois j'arrive à me retourner, vas-y. Ouais, il s'est donné en retrait. Oui. Non. À la parade, mais le danger est toujours présent.
Ça méritait mieux. Et voilà un gros dégagement pour se donner de l'air. Touche à suivre. Ah, il repique balle au pied vers l'intérieur. Ah non, finalement le ballon est perdu. Oh, j'ai voulu faire le double contact là, pied gauche, pied droit, pour rentrer dans la surface. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Avantage, ça joue, c'est bien. On en prend le 4. Hein. Voilà, ça c'est un bon centre. Dans l'axe. Pas trop de difficultés sur cet arrêt. Allez, vas-y. Ah, le contre est possible. En vrai, je suis pas verni. Hein. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre. C'est toi qui fais le. Laisse jouer, laisse l'avantage. Excellente intervention. Pas mal ça. Et attention, à ce centre. Et au final, ça ne donne rien. On fait une deuxième meilleure période, mais on n'arrive pas. Dans la dernière passe, on n'y arrive pas, c'est dommage. Un petit but pour sauver l'honneur, ça aurait été cool. Nous jouerons donc une minute de temps additionnel. Quel bon ballon! C'est la fin, ça y est, du temps réglementaire avec une vraie décision. Logique, à logique la défaite là. C'est un Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Biancali, mais Biancali, il est blessé. Il est blessé. Le collectif, les gars. C'est ça qui s'appelle Merveille en plus. Alors, je suis pas sûr. Alors, c'est la fatigue, hein, ni plus ni moins. Hein. On a vu les joueurs au début, même sur le banc, ils étaient déjà cramés, les mecs. Tout va mal. Comment ça? Un nul, une défaite. Pas un nul, une défaite. Pas une catastrophe. On va dire qu'on est pas au mieux. Ich danke Ihnen. Voilà, attention les joueurs. Qui? Quoi? Attends, comment ça ils ont libéré okay. Denis Wedner. Faut que j'aille voir qui c'est. C'est mon latéral gauche, mais mec, t'es au courant que. Ils sont tous cramés. Il n'y a plus de jus dans les chaussettes, comme on dit. On va repasser au moins en équilibré, qui récupère un minimum. On peut le laisser, ouais. Ouais, vas-y. Mais du coup, hein, quoi? Je ne suis plus heureux dans ce club. Bah, on a besoin de toi, frérot. Avoir été retenu, t'étais trop fatigué. Retrouve la forme. Tu peux être meilleur.
Mais là, on a un souci. On a un souci, on a un souci. Merde, comment il s'appelle? Mon défenseur gauche qui est là. Performance du joueur, il est pas content. Mec, t'as joué 15 matchs, t'es titulaire. En plus, t'as un contrat long. On va essayer, hein. On va essayer de le garder, mais ça va être compliqué là. On venait de le refaire signer, il a un contrat long, il a 4 ans et quelques, 4 ans et demi. On va essayer de le refaire signer juste une année, histoire de faire... Putain là, il va me casser les couilles. Hein. Parce que si je le perds, je suis dans la merde. Hein. Bah, si, un an quand même du coup. Merci. Pas de clos cette fois-ci. Oui. Oui, s'il te plaît. Salaire, bah... 500, ton salaire. Je te donne 2000 balles. Casse les couilles. Mais au moins, on supprime la clause. C'est 9 acceptable. Parfait. Je lui donne 4 mois de salaire. En vrai, je m'en sors bien. En vrai, je m'en sors très très bien. Schwabelt, il a 33 ans, il est vieillissant de ouf. Ça va être compliqué, hein. On va arriver à un moment donné. Fin du mercatal. Alors là. Là, il me faut un mec là, déjà dans les jeunes. Putain, on a rien. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous voulez vraiment pas me le prêter, Gechter, vraiment? Soyez sympa quand même, non? Oh, lui, j'aimerais tellement l'avoir, mais il coûte tellement cher. C'est quoi son style? Foulée rapide technique. Oh, il va très très vite. Il coûte trop cher aussi. Hein. Oh! Adming. Il me faut des joueurs pour faire du turnover. C'est horrible là ce qui nous arrive. Non, mais c'est tous des 1 million et quel. J'ai pas ça moi. Lui vient de signer à Rodez. Lui, il vaut pas très cher, 26 ans. Vista 61. Ah ouais. Physique, t'es bien, mais techniquement, t'es éclaté, quoi. On peut essayer de gratter à 500 000. Il me resterait 200. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Il est bien lui. 4-1 face au Paris FC. Dur. Il est trop important. Ah mais tu peux me le prêter. Prêtez-moi des joueurs. Vous êtes chiants les mecs. C'est la merde. C'est clairement la merde là. Lui il peut être bien. Ouais mais 1,4 million. Mais... Trop cher, trop cher.
Bah, je crois qu'on va aller sur Anning, hein, on va faire un all-in dessus, hein, entre guillemets. Lui, il peut être intéressant en vrai. Il coûte pas si cher que ça. Putain, je suis premier de Ligue 2. Ah, mais comme quoi, des fois, c'est pas parce que t'es premier que tu vas forcément gagner. Hein. Contre-performance, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ah, il a pas envie de bouger, lui. Il a pas envie de bouger, mais il est en fin de contrat. Qu'est-ce que tu fais avec la télécommande, toi? Je me retrouve dans une sauce pas possible en vrai. Allez, là on va déjà faire un repérage. Et je vais essayer de faire une offre pour lui. Par contre, il a 46 en force. Le mec, c'est Neymar quoi. Tu lui souffles dessus, il tombe. Après, c'est heureusement quelque part. Imagine, si le mec sur le papier, l'équipe est plus forte, elle gagne. Bon, il n'y a pas de secret. Bah voilà, t'as pris le meilleur joueur. T'as la meilleure équipe, bah tu gagnes tous tes matchs. Ce serait pas fun. Imagine dans la vraie vie. Ouais, c'est moi qui ai l'équipe la plus forte. Bon, ok, bah tiens, prends le titre. Je joue pas, ça sert à rien de faire le championnat, je prends le titre. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est bien, là, justement. Des fois, un tout petit, il va te faire il va te sortir le match de l'année. Ah, j'ai que 700, c'est vrai. Ah, je suis dans une sauce, t'imagines même pas. Hein. Comment ça? Non, bah mais non, bah non, bah non, bah non, bah non. Il me faut des joueurs, donc je vais pas te donner des joueurs en plus. Non, 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 frérot. 650 000, vas-y, fais-moi rien, fais-moi. J'ai plus de thunes, regardez mes sous, j'ai plus rien, plus de sous. C'est la hesse. Oh, ils acceptent. Il valait 800 000. À 650, ils me disent oui. Pour un joueur de 25 ans, alors là c'est Gucci. Hein. Important. 3 ans. 4. 4 ans. Pas de clause? Ouais. Salaire à 1002. Réduction salariale, frérot. On a peu de sous dans le club. 1000 balles. Même pas un SMIC. Oh, il accepte! J'aurais dû dire moins, genre à 800 balles, je suis sûr que je pouvais le faire payer. Bon, on a récupéré un milieu. Il me faut un défenseur, mais on a plus, bon, on a plus du tout d'argent là. Oh, il a accueilli, cinématique ou il a accueilli, c'est-à-dire que c'est un bon joueur. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a un meilleur niveau que l'équipe actuelle. On va aller regarder s'il y a des. Un défenseur là, il m'en faut. Il me faut du joueur de toute façon. Il me faut du turnover, c'est impossible. Vous avez vu les joueurs là? Ils sont tous éclatés, ils sont éclatés. Ils sont fatigués quoi les mecs. Oh, j'aurais pu l'avoir à 500 000. Ah ouais. Bon là on sait qu'on en aura plus. On les voit dans les joueurs libres. Non, c'est pas là les joueurs libres. Je veux un défenseur.
On va voir tous les Qataris là. 30 ans. Défenseur droit. Alors. Tacle. 60 en tacle glissé. Tacle debout 49. 59 au maximum. C'est mort. Pardon. Oh. Tacle debout 75 minimum. Tacle glissé, ok. Ah lui, je le prends. Ah lui, il a l'air bien. Un Islandais. Après, il est peut-être un peu fort pour une D3. Après, on arrive dans les dernières heures du mercato. Je lui ai laissé tout le mercato. Oh putain. Ah, décidément. Il n'y a aucun club qui lui a fait une offre. Ah, attendez. Décidément. Quand ça commence. Oula, toi t'es nul. 17 ans, tacle debout, 27, maximum 37. Ah ouais, toi t'es... toi t'as un niveau D8. Pas mieux. Hein. Un bon défenseur central, ça. Il est pas très rapide, mais bon. Vu qu'on joue quand même très très bas. Il a un minimum 60 en lucidité défensive. C'est pas dégueulasse. Hein. Merci la perle. Ah puis moi c'est horrible. Hein. Quand je commence à éternuer une fois. Il y en a 6-7 autres qui arrivent derrière. Hein. Le petit frère, la soeur, le cousine, tout le monde. Ouais, là il y a des mecs intéressants. On va regarder au milieu. Après, il faut juste faire attention de ne pas prendre des joueurs trop forts pour notre niveau. C'est quoi là? Milieu. Milieu. Ah, là, on a un tireur de penalty. Un Qatari. 33 ans. Oh, rapide. Rapide le monsieur pour 33 piges. Ah, par contre, endurance. Ah ouais. Le mec, il te fait un sprint. Il te sort le sprint de sa vie dans le match. Et après, tu le vois plus. Le mec il a 80-90 de vitesse, il accélère une fois, il se retrouve au poteau de corner, il est mort, c'est fini. Donc on va le laisser. Pas mal lui, il est moyen partout. Ah par contre lui il court pas non plus, hein. 40 d'accélération, même ma chienne elle va plus vite que lui. Par contre une bonne vista. Tu peux peut-être me faire une année et demie. Boudiaf. On retient. Wesh. Qu'est-ce que tu fais là, frérot? Il est un peu fort, lui. Beaucoup trop fort, même. Aaron Gunnarsson. Oh, on le connaît, lui. Hein. C'est pareil, toi, tu fais quoi ici? Je vais pas le prendre, hein, mais je veux juste regarder ses stats. Ah, les Mexicains dans le jeu, c'est un délire. Hein. Tu peux te créer une équipe juste avec des joueurs libres. Hein. Ah, merde, c'est fini. Ok, attaquant. On n'en a pas besoin, mais imagine si on tombe sur un mec. Pas dégueu. Jesus Corona. Ah, Jesus Corona, il est en... Benji! Ça va ou quoi, Benji? Benji, il faut que je le nique. Benji, je dois le niquer. T'as fait ton MPP? D'ailleurs, ce qu'on n'a pas fait. Point d'exclamation MPP dans le chat. On organise un petit concours entre nous sur les paris sportifs. C'est gratuit. On s'est fait une petite ligue. Il faut parier sur les résultats. Comment ça?
Comment ça, quoi? Merde, mon téléphone, regarde, il fait une mise à jour. Hasard, pile quand je le prends. Non, non, sur le championnat. Non, Champions League, on a pas, on a fait la Ligue sur la Ligue 1. Champions League, on n'a pas fait les paris. Mais t'es premier là, au classement, je suis deuxième. Mohamed Mountari, tu m'intéresses un petit peu. Léger. Oh, la vista. Wow. C'est dur, hein. Ailier gauche. Il a un petit toucher de balle. Ouais, il a un petit toucher. D'ailleurs, les deux paris là, cette semaine, il y avait les Ligue des Champions Europa League. Oh, les paris sportifs, ils sont rentrés comme papa dans maman. Hein. Bien d'accès son plan d'entraînement. Oui, bah j'arrive. J'ai plus de résultats. Ouais, j'avoue que tu t'arrives à trouver les bons scores, toi, enfoiré. J'avoue, mec. On va le faire travailler son tranchant du coup. On va mettre là parce que sinon il va être flingué pour les matchs. Allez, mon téléphone, hein, il fait une mise à jour juste quand je veux voir. Tu mets au hasard, bah écoute. Petit coup de pouce quoi. Petit coup de chance. Ah, j'avais pas vu, il peut jouer les doubles postes, oui, ok. C'est quoi ça? Passe longue. Toi, je t'aime bien, Brabec. Je t'ai dit que je t'aimais bien. Un défenseur central qui fait des passes longues pour bien relancer devant et à son propre. Brabec, tu montes dans mon estime, là. Pied droit, en plus. Stronati, pied gauche, 2 étoiles de mauvais pied. Je vais te virer. Brabec, je pense qu'on va faire une offre. Il est gratuit de toute façon. Hein. Lui, il a quoi? Passe en profondeur, passe longue aussi? Ah oui, le Qatari, c'est le Qatari lui. C'est vrai. Avec une bonne vista, il a au minimum 72. Et ça, c'est très très bien. Il a un bon toucher de balle. Lui, je vais le prendre aussi. Ça va en faire 2. De toute façon, il me faut de la profondeur. Comme j'ai dit, et Rojas qui peut jouer sur un côté. AG, AD, MG. 4 de mauvais pied. 1m68, 64 kg. Mec qui est à terre là. Un centre de gravité très très bas. T'as combien de conduite de balle? 65 minimum. Et un mec petit comme ça. 1m68, 64 kg. 4 de gestes techniques, 4 de mauvais pied. Eh, lui, il peut faire mal, hein. Des joueurs comme ça, la petite, là, qui se... Tu l'as pris dans ton équipe? Ah ouais? Mais en vrai, de toute façon, ce que je regardais ça, sur les premiers rapports, entre guillemets, quand tu fais le... m'a l'air bien. En vrai, un défenseur central qui te fait des longs... En plus, contribution défensive élevée... Et qui te fait des passes longues, mec. Précise, du coup, vu qu'il a le talent. Enfin, j'ai le talent, pas le talent, le style de jeu, mais bien, toi. Attaque debout, il a au moins 65. 70 en lucidité défensive. Après, c'est les salaires, toi. Là, ça va être un peu... pif, paf, pouf. Bon, on a 3 joueurs à recruter. Ça serait cool qu'on puisse... Là, on aurait un vrai turnover. Et en plus, ça me coûterait rien du tout. Donc même si le mec, il est éclaté, je paye son salaire. Mais ça me coûte rien d'autre. Par contre, il va falloir être... Bon, je vais dire rotation, mais il voudra pas. Décisif. Frérot, je viens d'avoir Brome qui vient de mon centre de formation et j'ai l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, qui est fort. Tu veux pas important? Il veut
d'ici. Ah ouais, le mec. Oh waouh. Ah, il va me faire chier quand il jouera pas. Un an, trois ans. Me dis pas deux, hein. Un an. Jamais de la vie. Ne jamais signer un joueur pour un an parce qu'au bout de 6 mois, il peut négocier gratuitement après qu'un autre club. Ne jamais signer un an. Pas de clause. Propose-moi un salaire, s'il te plaît. Oh frérot, c'est quoi ton salaire? Mais t'as vu où t'arrives? Dans quel club? Ça va pas, non? Ah, mais t'auras jamais. Ah, attends, déjà, on va mettre ça à zéro. Bon, bah, je crois qu'il va pas venir au club, hein. Spoiler alert. Bah, je te propose 2005 à la limite, mais je peux pas plus, hein. Il va me dire non, hein. On n'aura pas Brabec. Il viendra pas. À 8000. Allez, hop, bah tu retournes à Pôle emploi, écoute. Ouais, à un moment donné, moi je veux bien être gentil, faire des efforts, mais 8005 de salaire, c'est juste pas possible. Ah, l'ouf. Arrêtez avec vos 1 an, vous me saoulez. Oh, 10 000, mais c'est. Oh les gars! Ils ont cru qu'on jouait à la Champions League ou c'est comment? Ah oui, c'est pareil, il va dire non. Hein. On tente, mais. Impossible. Le Qatar, il va vouloir plein de sous. Lui, je le sens mal. Lui. Décisif. T'as 33 ans. Ah ouais, toi, 33 ans, par contre. Ouais, on dirait un Eden Hazard de Wish de visage. Et mon téléphone, quand tu veux, tu redémarres. Ah, c'est bon. Qui c'est qui connaît le résultat là de Nice là, ce soir? Allez, 2007 parce que je suis un prince. Ah. Moi je connais des joueurs, ils vont rester à Pôle emploi pendant longtemps, hein. Imaginez quand même les mecs, lui aussi veut décisif. Bah décisif, je sais que déjà ça a un gros salaire, donc c'est baisé. On va le faire quand même, histoire d'eux, pour le plaisir. Hein. Bah voilà. Attends, pourquoi il me reste que 67 000? Oh merde. Je fais ça, mais parce que... pour qu'ils disent non. Bon, bah, fin de mercatal pour nous, hein. Et là, ça va être compliqué. Là, ça va être très compliqué la saison. Enfin, la deuxième partie de saison. Pour Braun. Man, oh, Leverkusen, vous êtes sérieux.
C'est mon gamin. Oh, Braun, j'ai pas envie de le vendre. C'est mon gamin, mais bon, c'est Bayer. Après, c'est des fils de pute, hein. Il me donne juste sa valeur marchande, hein. On va tenter un truc. J'ai vraiment pas envie de le vendre. Si tu me fais ça, frérot, par contre, là, on a un accord. Ah oui, il n'y a pas de négociation possible, c'est non. Ok. Bon, du coup, Stifler est convoité quoi? Arrive bientôt échéance, c'est un club. Putain, mais tout le monde se barre de mon club. Mais ça va être un enfer. Comment je fais moi la saison prochaine? J'aurai pas d'équipe. Attendez, je vais sur MPP. Stifferl, pardon. Non, ça c'est Schiffer, pardon, je mélange. Il a 35 ans. Ouais, de toute façon. Ouais. Non, vas-y, c'est bon, tu peux partir. Il y a 0-0 clairement face à Nice. C'est une blague. Bon, après, ça m'arrange hein, si Nice font match nul. Face à Clermont qui est dernier, ah, avant-dernier, pardon, c'est Lyon dernier. Ça me va. Hein. C'est bon, il a signé gratuitement. Au revoir, Manuel. A plus, Manu. Merci pour tout. Ça va enlever de la masse salariale en vrai, c'est pas mal. Même si on récupère rien sur son transfert. Oh, Yeray qui a signé à Monaco. Incroyable. Ça, c'est un bon truc. Une autre transfert pour Braun. Lyon. Eh. Alors là, Lyon, je vous fais zéro cadeau. Hein. Vous connaissez mon amour pour ce club. Alors là. Pareil, c'est 3,5 millions. Ou rien. Tu me doutes son prix, il a 17 ans, il est trop fort. Allez, merci d'être venu en Allemagne, tu peux redescendre à Lyon. Au revoir. Ça va ouf, lui. Wendner. Ah non, Wendner, j'en ai besoin. Attendez, Wendner, c'est mon milieu, lui, non? Attendez, je sais plus. Ah non, c'est mon latéral, ah bah ouais, maintenant. À un moment donné, combien tu proposes? Attendez, parce que j'ai une offre derrière dans la tête. Attends, mais j'ai accepté 1,4 million. Attends, mais il va partir? Parce que si 1,4 million, je vais chercher le mec de Dortmund. Hein. Ah, il reste une heure. Oh, pour Braun, 1,9 million, Cluj. Mais le temps que ça se fasse, on est baisé. Du coup, trop tard. Par contre, j'ai peur qu'il parte à la dernière heure. S'il part à la dernière minute du mercato, je vais m'énerver. Hein. Je sens que j'aurais dû refuser. Ok.
Fin des trucs, ok. On a lui, défenseur droit, défenseur central. Merde, pardon. Latéral défensif. Il y a 18 ans, c'est pas ouf, hein. C'est qui m'a dit ? Bening. Ah oui, parce qu'il revient de blessure. Bah oui, ok. Bah, let's go, hein. On a tout le monde en équilibré. Allez, c'est parti. Let's go. Qui est le mieux entre les deux là? Zimmerman a un double poste. Physique, Obermeyer est mieux. Interception, ouais. Ok, Zimmerman, hop. Zimmerman. Ensuite, il y a Braun, Skarladis. Je ferais bien ça. Partirait bien comme ça. Voilà, les choses sérieuses vont pouvoir commencer et on a hâte de vivre ça. On se retrouve tout de suite. Oh, mais... Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés. Au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune Benjamin Da Silva et c'est donc lui le moins jeune Omar Da Fonseca. Et on nous emmène tout de suite en Allemagne pour ce match de Dritte Liga. Le climat autour de ce match est propice à vivre un grand moment. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Quelle la fête commence. Oh la faute. Oh là là, la faute sur ce tacle très mal contrôlé. Wow, c'est la biscotte ça, monsieur. Ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là. Petite biscotte. Ah oui. Et voilà un carton jaune distribué très tôt dans ce match. Le carton conditionne la suite du match. Il va falloir absolument maîtriser ses interventions. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ah, il n'est pas bien donné ce ballon. Et ça sort donc hors des limites du terrain. Et à signaler donc cette stat concernant l'équipe locale, c'est la formation qui a le plus de mal sur son terrain. Effectivement, avec une seule victoire à domicile depuis le début des saisons, ça nous met de la pression, ils n'ont gagné qu'un seul match chez eux. Ils aimeraient déjà avoir la farine pour faire le gâteau.
Bonne séquence, ballon en retrait. Allez, jolie frappe, mais ce n'est pas cadré. En gros, elle est en train de dire, si on n'arrive pas à les battre chez eux, c'est la honte pour nous. Je le prends comme ça. Hein. Et l'équipe retrouve la possession. Un peu de puissance sur ta frappe, sur ta passe. Ton pote, il est à 1m50 de toi, appuie un minimum. Et bien joué, il efface son vis-à-vis. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Oh, ouais, oh, rouge là, la faute. Oh, normalement, c'est carton rouge direct, ça. Ah, c'est rouge, là. Attends. Ah ouais, c'est rouge. L'arbitre qui sort le carton rouge. C'est pourtant le début de la rencontre. Et c'est assez rare. C'est surtout très courageux. Ouais, t'as que c'est l'assassin. Une manière de dire à tout le monde, attention, je ne plaisanterai pas avec le règlement. Il a tout pris sauf le ballon, le mec. Si je la touche avant lui, ce ballon est intercepté. Dommage. Parce que vu que j'arrivais à lancer. Il faut centrer là-dessus. Ballon sorti, corner à suivre. Bonne défense. Ah, c'est une transmission. Je vais ça. Allez, vas-y, Grossman. La défense est battue. Oh, la biche tête. Oh oui, le but. Et quelle merveille. Il a caressé les ballons. La Ben Youlou, les gars. La Ben Youlou. Oh, le contre. Il a été la chercher tout seul, hein, parce que c'est lui qui a décroché. Sur son contrôle, il est parti. Deux accélérations. Tout va très vite à cette contre-attaque. La là, le gardien, je le vois, il sort, et hop, la piche net. C'est parfait, ton bon bienvenu. La spéciale Ben Youlou. À quelques mètres de la cage, le petit ballon en rupture. Ouf. Qui rentre tout en et douceur paf. Dans les filets. C'est parfait. Combienième ? Neuvième but pour Rossmann. Pas mal, ça. Voilà, le match allez. Reprend après donc le premier but de cette rencontre. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Et ballon récupéré sur cette action. L'attaque se poursuit, elle se développe. Ouh, ce qu'il vient de nous mettre. Possibilité de la concentrer. Voilà, Rossmann, t'es tout seul, frérot. Ah, une bonne contre-attaque, vas-y. Peut-être. Oh, ah, c'est dommage, il y avait une bonne situation. J'ai fait un petit contrôle de trop. Mais le ballon est rendu à l'adversaire. Ouais, bien joué ça. Ballon repris à l'adversaire. Agressif mais propre. Je sais apparemment. Salut. Super progression dans la moitié adverse. Bon, où Schwabel. Le ballon en touche. Les chiffres confirment que l'équipe visiteuse court après le ballon, mais tu n'es pas obligé d'avoir souvent le ballon pour mener au score. Le football est aussi une affaire d'opportunité et de réalisme devant le but et dans les moments clés. J'avoue qu'on n'a pas été les plus dangereux, constate, mais bon. C'est vraiment pas leur ils en a fallu une pour la mettre au fond. Hein. Et duel remporté en défense, belle anticipation.
Laisse-moi faire la passe. Encore quelques minutes avant la pause. Et ça va plutôt bien là pour l'équipe. Oh non, à l'épaule, monsieur l'arbitre. On voit des séquences intéressantes, notamment dans la capacité à dominer le ballon. La priorité, c'est de protéger ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est à la mi-temps, on arrive à. Et voilà, c'est une bonne progression. Vers le devant au score. Peut-être pas le fou maintenant. On joue le shovel toujours. Allez. Dépossédé du ballon. Je grille bêtement. Ouais. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Soit je ne mets pas dessus, soit je le joue derrière, mais faut pas que je fasse ça, quoi. La même avec un peu plus de force et c'est pas mal. Hein. Parfait. Et voilà l'arbitre. Parfait, on met à zéro, ils ont un rouge. La fin des 45 premières. Ils se sont niqué le match tout seul. Hein. Après attention, hein, ils ont pas et encore c'est parti perdu. Pour cette deuxième mi-temps. Et nous on n'a pas encore gagné. Ouais, une bonne charge. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, il laisse l'avantage. Oh là là, ah oui, voilà, ce que je craignais, un délire. On les regarde jouer. On revoit le but. Plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans les filets adverses. Et ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans le filet. Et score de parité avec ce but inscrit un partout. Un ballon récupéré. Si je perds le match alors qu'ils sont à 10 depuis le début, ouais, je vais griller. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Une faute. L'arbitre, quand même. Bien joué. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. C'est tout seul. La direction d'Arsenal y travaillait depuis quelques temps et l'opération est maintenant bouclée. C'est la fin du feuilleton. C'est un record très important pour cette équipe. On a hâte de voir tout ça. Merci. Et une occasion de contre à négocier. Allez, vas-y. On est dans le dos de la défense là. Et le danger encore présent. Et but, c'est au fond. Let's go. Le petit plat du pied pour nous passer le ballon sous le bras là. Parfait mon petit Rossmann. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, ah, la passe. Raté. Hop là. Je la passe sous le bras. Et tu finis l'action avec. On voit le mec, le gardien, il fait déjà ça, il lève le bras avant même que j'ai frappé. Du coup, bah, place le ballon juste en dessous. Nous sommes dans les et ça fait but. Dernières minutes. Et on reprend de l'avantage. Regardez, il a tellement quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Intervention défensive, le ballon en touche. Tout match. Un peu de coaching avec ce changement. On le voit, la possession est favorable à l'équipe locale. Et si tu gardes le ballon pour faire tic-tic, sans mettre d'intensité ou du rythme dans les passes, tu ne risques pas de revenir au score. C'est une position inutile, voire stérile. Non. Ballon. Je donne au moment où il y a la possession. Pire choix ever, je crois. C'est une bonne progression dans le camp adverse.
Et on lève la tête, là, peut-être un centre. Pas très bonne couverture du ballon. On va prendre un penalty, un truc bête même. Hein. Par contre, je peux la récupérer là. Dans la surface. Superbe intervention dans la surface. Ah, le crochet n'a pas marché. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Ah, l'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. À l'occasion peut-être ici. Et c'est signalé, position de hors-jeu. Allez, la nouvelle recrue peut avoir lieu. Couché. Frapper. Occasion avec cette. Oh voilà, c'est bon le break qui fait. Ce but qui vient leur offrir. On revoit sur ces images comment. Là quand je la donne là, j'étais en train de bénir, je fais jouer de l'eau, j'ai perdu la balle. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient de conclure un bon mouvement. Parfait. Parfait, 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 parfait. Let's go. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Là, on va pouvoir souffler un petit peu, là. Maintenant que le break est fait. Alors, attention, qu'ils ne réduisent pas le score tout de suite, toi. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Et le forcing pour récupérer le ballon. Oui. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Et le centre est donné en retrait. Bien joué. Bien joué. Super intervention. Le danger était imminent. Et Rosman, après son doublé, il va sortir. On va faire rentrer un joueur de tête. Imaginez, sur le point de pénalty. Oh là là, et cette reprise passe assez loin du cadre adverse. Sur ce genre de gestes techniques, si tu n'es pas bien sur tes appuis, le ballon a tendance à partir tout de suite vers le haut. Le ballon dans la profondeur. Allez, il faut bien exploiter ce ballon. Ouh, le choix du tir en finesse était une bonne option pour s'en sortir dans ce duel. Mais c'est malheureusement manqué. Dommage. Et c'est intercepté, ça. Ouh. Il était blasé que je lui prenne la balle, du coup il avait la hargne, il a fait un tac d'ici, il a dit nique sa mère, c'est à moi la balle. La bonne percée, il faut aller provoquer. Allez, intercepte. Voilà, très belle ouverture. Il vient jouer le gardien. Très bel arrêt. Oh, le gardien adverse est monté, avec son numéro 39. Le corner. Allez. Attention, il est dans l'axe, hein. Allô. Oh, le ballon là qui est repoussé. Il est relâ, le gardien. Et c'est bon. Et c'est pour le gardien, malgré la pression. La fin du match, donc cette équipe ne s'en sort toujours pas sur ses terres. Une nouvelle défaite à domicile. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe? Chaque fois qu'ils jouent à domicile. Ah, ça fait du bien cette petite victoire.
Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. J'ai pas pu titulariser. On a d'autres joueurs qui sont là depuis un moment, il faut qu'ils gagnent sa place. À le soutenir, bah bien sûr. Oh, j'irai pas le soutenir. Oh, mais un ton en dessous, non, il était bon, Bianca dit, t'es un ouf. Je joue pas trop vite, hein. T'as pas regardé le match, hein. Danke für das Gespräch. Il a fait 2-3 incursions sympas. Les petits décalages et tout, Bianca dit, il est fou. Bunning, c'est bon. Bianca dit en équilibré. Oh, on va laisser équilibrer. Alors, on va voir réintégrer. Eh. Il est bon, notre Biancadi. On est 12e. 12e. On s'éloigne de la relégation, c'est bon ça. 19. On a 30. On a 11 points d'avance maintenant sur le premier relégable. Je pense que notre objectif... Oh putain, attends, c'est... Attendez, c'est où le calendrier? On a 2 matchs en... Ah ouais. Ah ouais. Je suis pas sûr. J'ai envie de dire ça, mais je vais lui flinguer son moral et c'est pas. Il a pas été chiant avant, donc on va pas pousser. Il y a pas une petite conférence de presse pour Fribourg? C'est pas cool. Oh, c'est pas cool. Ah merde, j'allais mettre. Je voulais mettre Jung, mais il y a un peu de fatigue. Bon, de toute façon, il faut qu'il vienne. De toute façon, maintenant, c'est obligatoire. Je vais faire entrer ma Shingo, tiens. Pourquoi il prend moins 4? Est-ce que je ferais pas l'inverse, là? Non. Pas cet inverse là, mais genre ça là. Qui prend plus 5, hein. Il prend plus 5 si je le descends. Par contre, on a que Schmidt derrière. Il nous faut un attaquant. En fait. On a pas pris au mercato. Je me suis dit, en attaquant, je suis très très bien en fait, non? Il nous aurait fallu un mec. Trop tard, le mercatal est fini, bien évidemment. Donc tant pis pour nous. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses. Alors, installez-vous confortablement. Objectif, ne pas perdre. Objectif, ne pas perdre. Match dans ce stade, c'est vraiment un gros match, là, face à Fribourg. Aussi nombreux pour ce genre d'affiche. La team Dada, et oui, c'est encore nous, Benjamin Da Silva donc, et Omar Da Fonseca. Et on vous emmène tout de suite en Allemagne pour ce match de Dritte Liga. Il y a de l'électricité dans l'air, c'est ça l'atmosphère des grands événements. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football, c'est la passion qui s'est transmise entre le terrain et le supporter. Oh non. Un œil sur la compo de cette formation. Ils viennent m'éliminer là. Ouais, ils sont énervés là, Fribourg. Ils sont énervés. Et voilà donc la composition de cette équipe. Allez, il faut venir l'aider, attention. C'était risqué, mais ça passe, heureusement. Allez. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement, derrière, le ballon est perdu. Alors on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de sa part. Son doublé au dernier match, c'est comme une injection de confiance.
Ah merde, c'est pas Schwabel que j'avais. Passe pas, hein. Passe pas, les gars. Oh. Pas mal, ça. Oh oui. Chibo, tu sais pas accélérer. L'action se poursuit dans le camp adverse. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Raison que je l'ai pas touché, hein, parce que je crois que j'emportais tout avec moi aussi. Hein. Allez, il va accélérer. Rebel. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Touche. Bien joué. Laisse-moi tranquille, toi. Non. L'attaque se poursuit, c'est une bonne séquence de jeu. On fait MPP, ça y est. Mais du coup, t'avais fait suite de Nice moi, face la à Clermont ou pas la ou tu l'avais zappé pour le match de ce soir. À grosse pression, ballon perdu. Sans doute quelque chose de bien à venir sur cette attaque. Allez, faites un appel. Ouais, bien fait, il est passé. Et c'est le moment de déclencher. Très bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Et au final, cette attaque s'arrête là. Les réflexes, mon gars, qu'ils ont eu. D'ailleurs, j'espère qu'ils ont vraiment fait 0-0. Le ballon en touche. Nice, clairement, t'as pas fait. Enfin, si vraiment Clermont a tenu le match nul face à Nice, c'est pas mal, hein. Et voilà une bonne récupération. C'est vraiment là. Pas mal. Non, 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 non. J'ai troll. Oui, la belle incursion là. Non, j'ai troll. Le centre en retrait. Ah, une frappe lourde. Ah, Nice a gagné 1-0. Mais elle passe finalement assez loin du cas. Cassé cool. Et ce qui manque, c'est la précision. Votre principal défaut. C'était trop bien le 0-0 là, c'était nickel. Ah, il se défait là de l'adversaire direct. Une possibilité de la concentrer. Bonne intervention dans les 16 mètres. Réveille-toi un peu. On s'applique. Là, j'ai misé une victoire 3-2 de Monaco contre Lille. Ça va être dur, hein. T'as vu encore les blessés à Monaco. Il n'y a plus de défense. On n'a plus personne, ça y est. Déjà le match dernier face à Metz. C'était une catastrophe. On a réussi à tenir parce que, bon, enfin, c'était Metz, quoi. C'est pas non plus extraordinaire. Monaco a réussi à faire le taf. Là, on joue Lille et Brest, le 4e et le 5e du championnat. Maripane toujours pas là, Vanderson non plus. Là, il y a Magasa qui vient de se blesser à l'entraînement. On n'a plus personne. Et derrière, il n'y a plus rien. On va devoir jouer avec des joueurs de CFA. Déjà, face à Metz, sur le banc, c'était des joueurs de CFA. On a dû faire monter en pro. Sinon, on ne jouait pas le match, on déclarait forfait. Là, ça va être très très dur. Hein. Bonne vision là avec cette passe. C'est pour le gardien, sans problème. Là, à chaque occasion que on aura devant, il faudra les mettre dedans. Hein. J'ai très très peur face à lui, très très peur. Et voilà, on ira pas plus loin. Parce que vraiment, c'est des gamins de 16-17 ans qu'on va voir. Hein.
Je sais pas comment on va se démerder. On récupère Zakaria, donc il va être défenseur central. Donc on l'aura pas au milieu. Donc on va voir Zakaria. Et l'arbitre pressing aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Et le troisième, ça va être Matsima. Mais Matsima. Voilà. Donc sinon, il faut repasser à 4 avec Crépin Diata comme il y a au dernier match avec Jacob. Et derrière, tu mets Zakaria Singo dans l'axe. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Ça va se passer, mais vraiment, je suis pas confiant de ouf là. Faut pas me mentir. En vrai, le mieux, c'est de jouer à 4 et remettre Diata comme au dernier match. Tant pis. Avantage. On fera avec, hein. Et depuis le temps qu'on en comme parlait, ça, on met Jacob à gauche, Diata à droite, Singo Zakaria voilà, dans l'axe. Fin de la devant, tu mets Camara tout Fofana. Le monde s'est mis d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son Golovin, nouveau entraîneur sur les ses ailes. Nouveaux coéquipiers. L'attaque n'ira et pas plus loin. Ben Yedder va nous jouer devant. Donc on se met à deux, c'est ce qu'il faudrait faire. Oh non, j'ai mis sur les talons. Là, il faut serrer les fesses, hein, de toute façon. Faut bien un coup, il serre les fesses de ouf. Mais il va falloir faire un truc vite, hein, parce qu'on a plus de défenseurs. Ils sont tous blessés, c'est un truc de ouf. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Ah oui, Monaco, la meilleure attaque. Monaco met en moyenne 3 buts par match. Depuis le début du championnat, Monaco, c'est la moyenne, c'est ça, c'est 3 buts par match. Dans la surface, la défense prend le dessus. Le danger est écarté. Mais... Ah, il est bien placé pour devant, marquer. Oui, c'est très fort, mais derrière, là, ça pue, quoi. Et à un moment donné, il faudra faire des compromis. Et on lève la tête, là, peut-être un centre. Et on voit que Minamino, dans l'axe, dans le camp est très adverse. Fort. On voit depuis le début de saison, Minamino, c'est un monstre, vraiment. Ah, l'action était dans bien partie. Là, quand il faut le faire jouer sur un côté, comme il a fait face à Metz, là, ah, les adversaires pressent. C'est pas sa place, hein. Clément, c'est là qu'il le mettait l'année dernière. Mais sur un côté, il n'est pas... À faute, l'arbitre sur un côté, il est pas bon, Minamino. Coup franc à venir. Il faut qu'il joue soit BU, enfin AT, il est légèrement décroché du BU, de la rencontre. Soit en MOC, mais pas sur un côté. Minamino sur un côté, c'est pas ouf. Hein. Et Clément le faisait comme ça l'année dernière, on a vu que c'était de la merde. Là, face à Metz, il a dû faire, c'était de la merde. Voilà, ça gagne pas, quoi. Mais ça débarrasse. Et le remplacement peut avoir lieu. Si, si, t'as le droit à un joker médical, mais faut que ça soit un joueur du championnat de France, toi. Ce que Bastia a fait avec Okou. Hein. Le joker médical, ils ont pris Okou de Monaco, et du coup, Bastia a un défenseur central en plus. Mais Monaco, sur la blessure de Caio Henrique, il faudrait prendre un défenseur gauche. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Mais est-ce que t'as envie de... Dans le championnat, en joueur réserve ou joueur qui est sur le banc. Qu'est-ce que je fais? L'occasion de prendre l'avantage. Non. Et voilà le premier but de ce match. Et là, je crois que on a 6 ou 7 défenseurs qui sont blessés. On n'a plus personne. Regardez, il n'y a plus rien. Il arrive juste après une grosse. Dire, on va voir Babaye, Cartelier ou un truc comme ça là. L'autre, il y avait un autre, je connaissais même pas son nom, c'est un jeune de Monaco, je connaissais même pas son nom. Babaye, je l'ai vu, il a joué la... Comment ça s'appelle la Gambardella. Je l'ai vu jouer, c'est pas mal, c'est un bon. Chartelier, là, ou je sais trop quoi. Ouais, ça peut dépanner. Charge. Et après, face à une grosse... Les 20 dernières donc, minutes de enfin, un gros pot. Face à une grosse équipe de Ligue 1, c'est chaud, tu vois. Surtout les mecs, ils auront la pression, ce sera leur premier match et tout. Et tout. Le ballon en retrait. Excellente intervention. Ouais, le changement est demandé et il a lieu. Ah bah là c'est un défenseur central que Monaco devrait prendre en joker médical. Il faudrait un mec qui joue double poste quoi. Un DCDG quoi, ah, qui sait faire les deux. Sauf que dans le championnat de France, t'as qui est capable de le faire. Et qui n'est pas titulaire dans son club. Ah, le ballon est parfaitement parce que tu vas conservé. Pas ramener un autre. Ah, y a une faute, l'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. L'entraîneur met la fraîcheur avec ce changement. Match. Oh là là là, mais quel coup franc! Et bon, c'est le coup franc! Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. On est en train de prendre l'eau, on craque.
On a craqué mentalement sur ce match. Wow, il tacle un joueur qui n'a pas le ballon. Le score en leur faveur ne semble pas avoir été. Il a attaqué un joueur qui n'avait pas le ballon. Et oui, c'est la nervosité qui semble être au moins en partie responsable de ce geste. Cette exclusion risque de leur coûter très cher. Ah le ouf. Je sais pas, il a dû l'insulter sa mère ou un truc dans le genre parce que là. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ah mon reste. Allons dévier très tôt dans sa trajectoire. Si, fais le jouer, fais le jouer, fais le jouer. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. J'ai vu un 7%, j'ai pas envie de savoir c'était quoi la stat. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Le mec il me court dessus. Ah c'était bien parti mais ce ballon est perdu balle. Finalement. Il faut s'entrer là-dessus. Il faut poser la question de la volonté, de la générosité. Ces deux buts de différence rappellent la différence des niveaux et d'enthousiasme. Je peux pas me retourner, hein. Les mecs ils sont. Ils ont la dalle hein, sur ce match. Ils sont clairement plus forts que nous là. Et voilà qui est frustrant pour l'adversaire. Ils font tranquillement circuler le ballon en attendant le coup de sifflet final. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. En plus Monaco c'est dimanche qu'ils jouent. Je crois que c'est en plein milieu de l'après-midi. Je crois que c'est un match à 15h. Ouais, pour le stream c'est nickel. Efficacité, réaliste, tout leur fourri. Et voilà, c'est le coup du tourniquet, celui-ci. Tu contrôles ton but, tu fixes, tu te retournes, tu valides ton voyage. Et encore deux petites minutes de temps additionnel minimum. Ouais. Est-ce que je suis fan? En vrai, est-ce que en joker médical, j'irai chercher le Goff de. Je suis pas convaincu, quoi. C'est la fin, ça y est, du temps réglementaire avec une vraie désillusion à domicile. Oui, une défaite. Oh, mais là, tu t'en fous. Là, si le mec est capable d'apporter quelque chose sur le terrain, tu t'en fous. C'est un joker en plus, c'est le mec qui va être là pour 6 mois. Et encore, tu vas le prendre, mais quand les autres joueurs vont revenir de blessure, il a quasiment pu rejouer, toi. J'ai envie de dire ça, rien n'est jamais acquis. Que s'est-il passé? La pression était forte et on a craqué, ce que je disais. Hein. Ils nous ont eu à l'usure. Merci pour moi. Vielen Dank für dieses Statement. Protège ses joueurs, bien évidemment. Si seulement il y avait Bernat. Bernat, ça aurait été bien. Bernat, moi j'aime bien. Hein. Il est vachement critiqué à Paris, mais. Pour jouer la Ligue des Champions, tout ça, Bernat, c'est peut-être juste. Surtout dans un club comme Paris. Pour la Ligue 1, ça fait le taf de ouf. Hein. Travail, mon petit Joule. On a tous les deux 30 puntos. Le 12e contre le 13e. On est bien. On est toujours devant. Hein. On a 30, on a 8 points d'avance. 8 points d'avance sur le premier relégable. Et sachant qu'après, c'est Ulm à 17. Donc eux, ils sont déjà quasiment. Et Dortmund. Dortmund, c'est la D4. Et derrière on a Ingolstadt. Ouais, après on joue deux gros matchs.
J'ai envie de simuler celui-là et aller voir. Attends, Ingolstadt, ils sont combien au classement? Voilà, on va jouer le 3ème et le 6ème après. Donc vous dire que ça va être compliqué. Mais là, il faudrait pas le perdre. Quitte à simuler, vaut mieux simuler un contre un gros club. Parce que de toute façon, si on perd. Attends, on a fait combien de matchs aujourd'hui là? On a pas fait beaucoup, si? Non, pas les finances, Muné. On a fait 1, 2. On a pris 3-0, je me rappelle. Ah ouais, on a fait 3 matchs. 3 matchs plus le mercato. Il est 23h. Le truc, c'est que demain matin, il faut que je me lève. J'ai des courses à faire. J'ai plein de choses à faire si je veux être tranquille demain. Ah bah oui, je viens d'avoir la notif Winamax. Clermont qui a marqué. Oh, faut que je regarde. Attendez. Parce que j'ai fait un pari de l'espace. J'ai fait un pari de fou furieux. J'ai une cote. Une cote. Elle est à combien? Une cote à 11,69. J'ai fait une cote à 11,69, la tête de ma mère. Que si cette cote-là passe, je suis Gucci. Je suis Gucci. C'est un truc sur tout le week-end. En plus, j'ai parié sur Nice. J'ai parié sur le match de Nice. Oh la vache, j'avais oublié. C'est un combi sur 13 matchs. Ça dure tout le week-end. Mais s'il passe, une cote à 11 et quelques plus le combo booster, je vous raconte même pas combien ça fait de pépettes. Oh, ils sont fatigués. Oh, ils sont fatigués, les mecs. Wedner, il est fatigué aussi. Hein. Wedner. Qui c'est qui peut prendre? Gregor, je crois qu'il peut prendre sa place, non? Non, il ne peut pas prendre. J'ai une soirée à Louise organisée pour mon école. Ah oui, de toute façon, c'est ce week-end. Putain, ce week-end. C'est là, hein. C'est ce week-end, ce truc. C'est bien une fête que j'aime pas, moi, Louise. Je trouve que ça sert à rien. Tout ça pour prendre des bonbons. Tu veux des bonbons? Bah, va en acheter, hein, frérot. Oh, il prend moins 5. Il prend que moins 2. On va faire ça. On va partir comme ça. Non, on a perdu. On a perdu 2-1. Pour voir danser, s'amuser en étant par contre, je me suis fait harceler de messages après une story que j'ai fait. Ah, ça a dérapé ou?
Oui, mais reste en... il sort du match, c'est normal qu'il soit fatigué. Il va récupérer. Et ils sont malins, ils ont vu pourquoi il n'était pas en forme. Ils veulent venir me le shipper. Non. Même s'il est chiant, il me casse les couilles là. Non, je ne vais pas le vendre. Il y en a... oh, il y avait un double étoile au budget 67 000 euros. On est dans la merde, on est dans une merde pas possible, juste comme ça pour rigoler. Bielefeld, Dresden, oh ah oui, je peux aller partout en fait, je peux aller partout en... Deux victoires, 6 nuls, 17 défaites. Ils ont une saison catastrophique, eux. Eux, c'est un bordel, hein. Oh, je peux aller en Écosse. Aberdeen. Wow, Celtic. Non, c'est les Glasgow Rangers où il a signé Clément, là, l'autre peintre. Hibernian. Ok. Eh, en vrai, il y a des trucs... Voilà, Philippe Clément, c'est là qu'il a signé ce fils de flûte là. Oh ouais, mais il y a tellement de clubs que je peux postuler, trop bien. Je vais pas changer, hein, je passe avec Unterhaching. Hein. Mais c'est cool de voir autant de clubs. Bon, les gens, en vrai. Moi je dis. T'as, il y a ça aussi. Celle-là, je vais l'effacer. Et je vais mettre autre chose à la place. Je vais mettre autre chose, ma carrière en D2 espagnol. Celle-là va être bien, hein. Vraiment. Soyez présents, une carrière en D2 espagnol, jamais fait. On l'a jamais fait, celle-là. Hein, délire. Je quitte, tranquillou pilou. Ça, je m'en fous, merci. Et puis voilà. Bon, et bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais upload la vidéo tout de suite, comme ça je la mets sur YouTube. Les rotifs Twitch pour le moment, en attendant d'avoir du vrai contenu qui va arriver soon, quand j'aurai déménagé déjà. Et puis voilà, je vous mets ça sur YouTube, et du coup, ça sera demain matin, avant 10h, elle sera en ligne pour ceux qui veulent voir le replay. Et puis voilà, sur ce, des bisous, bonne nuit, et on se voit demain. Ciao, ciao!